jour. Eh bien, nous sommes le vendredi 21 juin. 21 juin, la fête de la musique. J'ai pas l'impression que ça soit tellement la fête en ce moment. En tous les cas, que les gens ont le cœur à faire la fête. Ils ont plutôt le cœur combatif parce que des camps sont en train de s'opposer. Des prises de pouvoir vont avoir lieu, des nouvelles prises de pouvoir. Et on va assister à un certain chambardement de la société suite à ces élections. Je suppose, peut-être que je me trompe, mais je suppose qu'il va y avoir quelque chose qui va en ressortir. Alors on profite de sortir toujours pareil entre deux averses, parce que je sais pas ce qu'ils font avec le climat, mais là cette année il n'y a pas de mesure pour restreindre l'utilisation d'eau. Hein. Les nappes phréatiques sont pleines à craquer, les piscines sont pleines à craquer. Il y a de l'eau partout, à tel point que je ne sais même pas comment les paysans vont faire leur récolte, parce que voilà quoi, tout est détrempé, archi-détrempé. L'année dernière, il y avait Macron qui était parti faire une conférence sur la gestion de l'eau. Il fallait gérer les pénuries d'eau. Et cette année, il n'y a pas de pénurie d'eau, hein. Ça y va à la manœuvre. Donc cette année, ils ne vont pas pouvoir justement instrumentaliser la sécheresse à des fins politiques pour justement encore faire chier les gens, comme ils savent faire tout. Donc on a au moins l'espoir que tous ces politicards de la vieille école vont plus nous faire chier. Tous ces boomers de la politique vont plus nous faire chier. Et ça, on compte sur la nouvelle génération qui n'a plus trop les tabous de l'ancienne pour justement nous libérer. Libérer la parole, déjà. Libérer la parole. Maintenant, chacun peut s'exprimer et libérer tous les fantasmes qu'on a imposés, qu'ils ont imposés à ceux qui suivaient. Tous les fantasmes, les anathèmes, les restrictions qu'ils ont imposées aux générations. Et dont eux, ils se sont bien entendu exemptés. Parce que, évidemment, ils imposent aux autres, comme je vous parlais de la retraite, c'est pareil, ils sont partis tous jeunes à la retraite, puis ils ont imposé ce que les jeunes, eux, ils travaillent jusqu'à 70 ans bientôt. Pour eux, c'est normal, quoi. Je parle de cette génération égoïste qui a profité, qui a croqué la pomme, qui n'a pas pensé du tout, qui avait une vision à court terme, qui a été vraiment dans la consommation à fond, le consumérisme à fond, puis qu'aujourd'hui ils viennent à 70-80 balais, ils viennent te faire des leçons de morale sur la société de consommation, alors qu'eux ils ont croqué dedans à fond. Il faut arrêter les conneries, quoi. Donc vraiment le monde est en train d'être bouleversé en ce moment simplement par le renouvellement d'une génération qui va être différente. Alors on peut pas présupposer de ce qu'elle va donner, de ce qu'elle va être. Mais on voit bien qu'il y a une volonté de prendre en main leur avenir. On le sent. Je sens ça. C'est une génération qui va sortir de sa dépression et qui va prendre enfin les choses en main, puisque c'est leur avenir. Et qu'il n'y aura plus, si vous voulez, il n'y aura plus la morale d'autrefois. C'est cette fameuse morale imposée. La morale mai 68, vous savez. La morale antiraciste, la morale babacool, la morale qui consistait à accueillir toute la terre, toute la misère du monde en France, de partager, d'obliger les autres à partager, mais jamais soi en plus. Hein. Il y a une telle hypocrisie dans ces milieux-là, incroyable, je les connais, moi, ces bourgeois de gauche. Donc on les connaît tous, si vous voulez. On connaît leur vie privée, leur vie intime, avec les principes qu'ils ont soi-disant défendus, et c'était jamais en accord. Et puis une génération très perverse aussi, une forme de perversion dans beaucoup de domaines. Je pense que ces nouvelles générations vont laver tout ça, vont nettoyer. Ils vont plus en tous les cas être... Je pense qu'ils vont se défaire des carcans dans lesquels les anciens les ont un peu cadenassés. Alors évidemment, on voit bien qu'il va y avoir un renouvellement au niveau du pouvoir. C'est sûr qu'il va y avoir des nouvelles figures qui vont apparaître. Et puis, on verra qui prendra le pouvoir, on verra ceux qui... Mais quelque chose va changer. C'est clair. Alors, évidemment, ils sont,
sont paniqués, les vieux, parce qu'ils se disent ouais, ils sont en train de perdre la main. Ils sont en train de perdre la main. Mais c'est un peu logique. C'est un peu logique que ça se passe un peu comme ça, que les choses bougent et que enfin que ces nouvelles générations surtout prennent leur avenir en main. C'est à eux de prendre le relais. C'est comme ça, c'est la vie. C'est-à-dire que vous avez fait votre taf, vous avez fait ce que vous pouviez durant votre passage sur Terre, dans cette dimension, j'entends. Et puis après, d'autres vont prendre le relais. Ils vont reconstruire quelque chose d'autre. Parce que la société peut muter à nouveau, mais dans un sens, dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Hein. Je ne me prononce pas. Je donne pas pour l'instant, je vois pas de direction précise, mais ce que je ressens, c'est que ça y est, ils sont en train de vouloir prendre le pouvoir, et ils vont dégager les vieux sbires comme Gérard Larcher, qu'on a vu, Raffarin, enfin tous ces vieux machins, tous ces vieux dinosaures là qui nous ont empoisonné la vie, ils sont en train de les dégager. C'est plutôt une bonne chose, parce que on peut dire qu'eux, ils ont quand même abusé du système sur le dos des pauvres gens qui, eux, sont en train de trinquer tous les jours, ceux qui ont joué le jeu, et on voit bien que ils se sont fait pigeonner, ils se sont fait avoir. Alors ça suffit. C'est comme les anathèmes, ça ne va plus marcher, quel qu'il soit. Les anathèmes, ça ne va plus fonctionner. Ils vont être. Il n'y aura plus d'anathèmes pour conditionner les gens dans une forme de terrorisme intellectuel. Les langues sont en train de se délier, les gens sont en train de parler sans tabou. Il y a du bon et du mauvais, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que du bon. Il y aura du bon et du mauvais. Il va y avoir des secousses, ça c'est clair. Et les secousses, je pense qu'on va les voir arriver assez vite, parce que là, l'histoire s'accélère. On voit l'histoire s'accélère, les choses vont vite et nous dépassent un peu. D'où cette précaution que j'ai en termes d'analyse, si vous voulez. C'est très, très difficile de faire des prospectives, de faire la prospective, de faire des prévisions. C'est difficile d'analyser en profondeur ce qui se passe, parce que il y a un côté matériel, il y a un côté mental, mais pas que. Il y a aussi le côté invisible, le côté intérieur, il y a le côté spirituel, je dirais entre guillemets, toujours le mot spirituel, vous savez, je l'utilise avec précaution. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire un changement de paradigme qui va nous conduire peut-être au bon comme au mauvais, les deux, comme toujours d'ailleurs. Ça peut être, on va être surpris, parfois on pourra être surpris dans le bon sens, et parfois très, très inquiet aussi par cette situation qui va naître de ce nouveau paradigme qu'on voit sous nos yeux en train de s'opérer. Alors, la seule chose que je peux affirmer avec certitude, c'est que tous ceux qui fonctionnent avec les vieux conditionnements, les vieux concepts, ceux-là vont être balayés. Ils vont être balayés, et même leurs idées vont être balayées. On ne peut plus, si vous voulez, réfléchir comme on réfléchissait avant, avec les mêmes principes, les mêmes catégories intellectuelles ou mentales, je dirais. Du coup, ça nous oblige à revisiter ce que nous-mêmes nous avons cru. Ça nous oblige à nous-mêmes à nous remettre fondamentalement en cause. Et vous voyez, j'ai 63 ans, bientôt 64, et ça m'oblige moi-même à rebattre les cartes, à repenser autrement les choses, à revoir un peu autrement le monde, pour ne pas me laisser embarquer dans une forme de pensée ancienne qui n'a plus lieu d'être, quoi. C'est pour ça que les temps qu'on vit sont exigeants, fatigants même en même temps. On est fatigué parce que on pense énormément, on réfléchit énormément, parce qu'on est bousculé. Nos principes sont bousculés, nos repères sont bousculés, tout est bousculé. Le monde physique change aussi. Quelque chose dans le physique est en train de se modifier. Le physique des gens change aussi. On le voit, les physiques sont un peu différents chez les jeunes. Observez bien. Et donc une métamorphose est en train de se faire, assez rapidement, je trouve, assez rapidement. Et cette métamorphose, on ne peut pas spéculer sur ce que ça va donner, sur quoi ça va aboutir. Ça va enfanter de quoi, je ne sais pas. Mais on voit bien que quelque chose, la transition, une certaine transition est en train de s'opérer actuellement.
et sur tous les plans, c'est transversal. Ça veut dire que l'économie va changer, certainement. Ça veut dire que les religions vont changer également, vont être obligées de changer, ou disparaître, peut-être disparaître, pour laisser place à autre chose, et à quoi, je ne sais pas. Et puis, il va y avoir le fameux transhumanisme, la fameuse technologie, les technologies nouvelles, l'intelligence artificielle qui vont participer à cette métamorphose. Alors évidemment, ça peut paraître effrayant, tout ce que je vous dis, parce que tous nos vieux repères, tous nos vieux mondes, tout notre art de vivre ancien, ça c'est sûr que ça va disparaître. Il faut en faire le deuil et pas se réfugier dans la nostalgie, ça sert à rien, je crois que ça sert à rien. C'est comme ça, bon, on peut être nostalgique, des fois on sera nostalgique, mais de toute façon ça n'aide pas. Et on va devoir s'adapter. Le mot va être là, s'adapter. S'adapter à quelque chose de neuf. Ça peut être la guerre, hein, ça peut être... mais ça peut ne pas être la guerre non plus, ça peut être simplement des nouveaux principes qui vont orienter la société autrement. Et puis la technologie, comme je vous disais, va être mêlée à ça, c'est-à-dire qu'elle va pénétrer de plus en plus notre vie. Les technologies vont pénétrer notre vie de gré ou de force, on n'aura pas le choix, et ça va nous obliger également à nous adapter, à communiquer autrement, c'est ça qui m'intéresse, et je me dis, on touche l'humain, et donc la métamorphose anthropologique auquel nous assistons va nous obliger à prendre parfois des positions, mais je me méfie des positions réactionnaires, si vous voulez, où c'était mieux avant. Je me méfie de ça, parce que c'est pas avec ça qu'on va... c'était pas forcément mieux avant, vous voyez, c'était autrement. Mais est-ce que c'était mieux? Je ne sais pas. Les transitions sont difficiles dans tous les cas. C'est sûr que les transitions, pourquoi? Parce que c'est l'ancien monde qui s'effondre, et que l'autre monde n'est pas encore né, le nouveau monde. Et cette période que nous vivons est donc très épuisante, éprouvante et déstabilisante pour nous de notre génération. Mais les jeunes aussi sont confrontés à ça. Des jeunes, je vois, de 30 ans, sont confrontés à cette métamorphose qui s'opère en eux, et beaucoup sont un peu perdus. Donc ils se renferment chez eux, ils s'isolent, certains souffrent, certains font beaucoup d'expériences un peu paranormales, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des expériences qu'ils ne maîtrisent pas forcément, dont ils n'ont pas forcément les clés. Donc il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, c'est donc un sentiment de confusion auquel nous assistons actuellement, parce que nous sommes dans la transition. Une transition est toujours compliquée. Prenez l'exemple du déménagement. Vous allez quitter une maison que vous avez habitée pendant 10, 20, 30 ans. Regardez chez les vieux, quand ils ont vécu une maison, puis ils doivent aller à l'EHPAD, ce que je vis avec mon père. Donc, vous voyez, c'est une transition. Et la période transitoire, elle est très éprouvante. Après, vous allez aller dans un nouvel endroit, dans un nouvel établissement, et soit ça va bien se passer ou mal se passer, mais vous serez obligé de vous adapter. Et cette adaptation, elle est aussi compliquée, difficile, parce que ça grince, vous quittez vos repères, vous quittez vos odeurs, vous quittez votre environnement, et il va falloir vous adapter à un nouveau lieu qui sera peut-être moins agréable que celui que vous avez, dans lequel vous avez été, mais il sera peut-être aussi plus agréable, on ne sait pas. Justement. Mais en tous les cas, on est dans cette période transitoire qui est comme entre deux déménagements. Vous savez, c'est des périodes toujours compliquées. Moi, j'aime pas les déménagements, j'aime pas les changements. Bah, comme tout le monde, hein, je veux dire, on a toujours envie de rester dans nos vieux vêtements, quoi. Et donc, à chaque fois qu'il y a du nouveau comme ça qui se présente, on est un peu frileux. En tous les cas, je dis on en partageant ce sentiment collectif, mais je pense qu'on est nombreux un peu à être comme ça, c'est humain, et moi-même je reconnais que je suis un peu comme ça, et la perspective d'un nouveau paradigme m'excite, parce que je suis curieux, et je vois que
Je me dis, finalement, on n'a rien à perdre. Vu l'état du monde, on n'a rien à perdre. Alors ça, on se le dit. Puis d'un autre côté, inquiet, parce que si c'était pire, c'est ça qu'on se dit. Est-ce que ça va être pire, ce qui va apparaître? Donc on est entre deux eaux. Mais là, l'accélération de l'histoire, provoquée par Macron, ça on ne peut pas lui reprocher ça en tous les cas, eh bien, nous plonge. Il a parlé de ça, Macron, en plus. Il a parlé de la destruction du vieux monde pour un nouveau monde, tout ça. Il a fait beaucoup allusion à ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il a un côté prophétique, Macron, bizarrement. Et donc, il a certainement raison. Il a certainement raison dans le sens où il a vu ça. Il a vu cette métamorphose de la société, ce changement. Lui-même a transgressé énormément, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Il a confondu, il a cru qu'il fallait transgresser au sens où il fallait désacraliser la société. Mais moi, je serais du même avis que lui sur la transition, mais je pense qu'au contraire, il faut réintroduire le sacré. Il faut pas accepter de désacraliser le monde dans lequel on est. On peut très bien réintroduire du sacré dans ce nouveau monde, et sans être obligatoirement dans la transgression et dans la profanation. C'est là qu'il va y avoir peut-être un combat dans cette période de métamorphose dans laquelle on est. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont croire qu'il faut tout détruire, tout profaner, et il y a les autres qui vont dire non, on ne revient pas à l'ancien monde, mais pour autant, on recrée du sacré, on recrée un modèle sacré qui va nous élever. Parce que le but de l'homme, c'est de verticaliser la société et de que ce ne soit pas simplement un monde horizontal, mais aussi de la verticaliser. Et comment on verticalise cette nouvelle société? On n'a pas encore les clés, mais la verticaliser, c'est-à-dire nous tirer vers le haut. Et nous tirer vers le haut, c'est nous conduire à un comportement plus sain, plus intérieur, mais aussi plus élévateur au niveau de la connaissance. C'est-à-dire que ça nous ouvre des portes nouvelles de connaissances qui devraient nous permettre d'appréhender, si vous voulez, à travers de nouvelles sciences aussi, peut-être, et même peut-être à l'aide d'une certaine technologie, de nous ouvrir certaines connaissances qui nous permettraient de finalement de basculer dans quelque chose de plus satisfaisant que ce que nous avons connu jusqu'à présent. En tous les cas, moi je peux parler de la société que j'ai connue. Elle ne m'a jamais satisfait parce que sinon je ne serais pas rentré dans l'église. Si j'ai voulu à 18 ans quitter mes parents pour aller au séminaire, c'est que ce monde-là ne me convenait pas du tout. Bien sûr, je n'ai pas trouvé dans l'église que je cherchais, mais il y avait la volonté d'échapper à ce monde de matérialiste qui m'a énormément déplu. Et aujourd'hui, il y a une autre aspiration peut-être qui va prendre racine, de nouvelles racines, et qui va peut-être émerger. On ne sait pas, on ne peut pas dire. Mais je crois qu'on aura affaire aux deux. Je pense qu'on aura affaire au meilleur comme au pire. Il faut s'attendre à tout. En tous les cas, voilà un peu ce que m'inspire cette journée du 21 juin. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui fait 300 000 vues. Évidemment, il y a des abonnés nouveaux qui sont arrivés. Ils vont être surpris parce que, évidemment, la vidéo qui a fait autant de vues n'est pas représentative des propos que je tiens habituellement ou de l'esprit de la chaîne. Mais bon, ça en fait partie, je dirais. Mais c'est bizarrement, ces vidéos-là, ça a fait le buzz. Enfin, un petit buzz pour moi, mais un buzz quand même. 300 000 vues, c'est beaucoup. Et donc, depuis hier, quoi. Donc, voilà. Mais, bon, bah, pour ceux qui sont nouvellement abonnés, vous me découvrirez. Et si ça vous plaît pas, bah, vous partez, bien entendu. Et puis, si vous aimez, bah, vous restez. Vous êtes les bienvenus. Mais, voilà, quoi. Vous risquez d'être surpris un peu par l'esprit de la chaîne qui n'est pas représentatif de cette vidéo qui a fait carrément un buzz, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.